Yo, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le tout nouveau mode de jeu de Clash Royale. Qu'est-ce que c'est que ce mode de jeu? Donc, c'est le Mega Touchdown. En gros, en quoi ça consiste? Vous avez un 18 cartes. Donc, vous choisissez votre deck de 18 cartes. Donc, un deck énorme. Un deck avec plein de cartes. Et ensuite, c'est du Touchdown. Mais c'est pas du Touchdown classique. Donc, c'est pas du 2v2. C'est du Touchdown 1v1. Mais c'est encore un peu différent. C'est-à-dire qu'on part directement en Elixir x2. Donc, vous pourrez poser énormément de cartes, mettre énormément de pression. J'ai pensé à deux types d'archétypes qui sont extrêmement forts dans ce mode de jeu. Je les ai testés un petit peu de mon côté. Donc dans cette vidéo, on va aller voir de l'archétype qui est super agressif. J'ai pensé à l'archétype très contrôle et l'archétype très agressif, un peu comme Pokémon épée et bouclier qu'on verra le 15 novembre à partir sur la chaîne en live. Incroyable, petit instant de joie personnelle parce que j'ai trop hâte d'y jouer. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans ce deck, on est parti sur une version super agressive. Certains pourraient dire C-A-N-C-E-R, voilà, bon on le dira pas parce que bah ça l'est pas forcément, voilà. Regardez ça. Il y a cochon, ballon, cavabélier, cochon royaux, fût de squelette, sapeur. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de win conditions. Il y a quoi? Il y a 6 win conditions. Alors, la version très contrôle, vous verrez, il y a beaucoup de bâtiments, il y a de la tornade, il y a du bourreau, etc. C'est une version que je kiffe, que j'adore particulièrement. Mais cette version-là, ça me semblait très important de vous la présenter parce que je trouve qu'elle présente très bien le mode de jeu et qu'elle vous permet exactement de voir comment peut jouer le mode de jeu et à quoi ça ressemble et à quel point ce mode de jeu est très très agressif. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas les tours, hein. Il n'y a pas les bâtiments qui tapent. Du coup, si vous mettez énormément de pression sur les adversaires, c'est très très compliqué. Je vous propose de faire déjà une partie pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne et comment ça fonctionne. Donc là, on est contre Aim, ok? Vous allez voir vraiment comment ça se joue. Ça va être incroyable. Et voilà, ben justement, on a la pire main de départ possible. Donc quand vous avez la pire main de départ possible, vous mettez de la pression comme ça, vous attendez un peu de voir ce que l'adversaire joue. Voilà, ok, ok, je joue un golem d'élixir. On va mettre des... je me suis raté. Garde. Ok, garde. Squelette. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça. J'ai raté. Ok, c'est pas grave du tout. On va remonter, mais là on n'avait pas une main où on attaque. D'habitude on a une main où on fait ça, voilà, on fait ça, ça. Après on met un gel ou une boule de feu et puis c'est réglé, vous voyez un peu l'idée quoi. Bon, voilà, on s'embête pas quoi. Là par contre j'ai rien à boule de feu en particulier. Ouh, j'aurais pu prendre l'arche magique ici, c'est dommage. Ok, donc là on a le bûcheron, donc on va aller partir en pêche à droite. Juste avant qu'elle crée ses squelettes, comme ça on la découpe. Voilà, parfait. Ok, donc il est obligé de mettre une petite tornade, j'ai mis une boule de neige au cas où il mette autre chose, au final il a décidé de mettre son mortier. Mais regardez à quel point c'est dur, là il est obligé de recycler une deuxième tornade, donc on sait qu'il joue du coup un double tornade. Et même avec ça, ben voilà, il y a quand même un cochon royaux qui connecte. Je vous assure, le deck est extrêmement fort, très très dur à contrer également. C'est hallucinant. Là on va faire ça, on va faire un petit ballon. Quoi qu'on a Kava du coup. Il joue aussi toxique que nous en face, mais je crois qu'il va gagner parce que sa Kava ira plus vite. Voilà, voilà à quoi ça ressemble ce mode de jeu. C'est vraiment ça, ce mode de jeu c'est vraiment ça, soyez prêts chez vous, ça joue full win condition qui sont envoyées des deux côtés à chaque fois, et c'est vraiment celui qui enverra sa win condition le plus vite qui va réussir à mettre le point. C'est... Ça peut être considéré comme un peu triste, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment ça, là. Vous voyez par exemple il y a les cochons royaux, nous on les avait pas, bon là on a la boule de feu en l'occurrence, donc ça devrait suffire, voilà, ça suffira. Par contre à gauche on va se prendre le golem d'élixir, mais normalement notre ballon ira avant son golem d'élixir, donc voilà, on va gagner cette manche. Voilà, c'est très intéressant, mode de jeu très très skillé évidemment. Alors là on est reparti, on va faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va lancer un fût, on va lancer des sapeurs là et des cochons royaux au milieu, et bon courage à toi pour aller gérer tout ça mon ami. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gel là-dessus, ça son bourreau il pourra pas vraiment défendre. On va remettre une boule de neige pour aller chercher un peu l'Arc-X. On espère que son bourreau aura pas le temps d'aller défendre parfaitement, il y a les cochons royaux, il va devoir retornade, sauf qu'il va y avoir des squelettes qui vont peut-être sortir, non, les cochons royaux. Et on a gagné ce match, incroyable, je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi je trouve que c'est très un petit peu toxique hein, évidemment de jouer ce mode de jeu comme ça, mais ça a vraiment l'air d'être la façon qui fonctionne le mieux. Là vous avez vu, hein, je perds pas avec ça. Hein. C'est un peu bête, mais on perd pas. Voilà, on perd pas. Donc voilà, ça reste une solution pour que vous puissiez gagner facilement et très rapidement ce mode de jeu. Alors là, on va juste aller recycler parce qu'on n'a pas de moyens offensifs. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il décide de mettre à gauche ou à droite. Non, il met rien. C'est parti. Oh non, vous imaginez, on aurait fait l'inverse, on était tellement mieux. C'est pas grave. Je vais attendre de voir s'il met un truc. Je vais prêcher la boule de feu par là. Un bâtiment, un truc comme ça, qui est méga chevalier. Mais voilà, les cochons royaux, ils sont passés.
Et déjà, le premier point qui est mis, et c'est hallucinant, mais c'est vraiment ça, ce mode de jeu. C'est ouf, ouf. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mode de jeu, cette façon de jouer, etc. Là, je vais pré-shot boule de neige. Oh, je l'ai raté. Oh, il était tellement pas loin, mon pré-shot. Est-ce qu'il va falloir quand même def? Je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr qu'il puisse. On va finir avant, voilà. On va finir avant. Le petit point qui passe. Et il y a déjà plus que un touchdown à réussir. Pour réussir à passer. Sachant qu'on a un jeu très très agressif. Il y a peut-être moyen qu'on réussisse à mettre un touchdown. Voilà. Un touchdown hasardeux, certes. Mais oui, il utilise boule de feu directement sur notre voleuse. On sent que c'est ça commence à être galère pour lui. Et encore là, on a vraiment pas nos win conditions en main, quoi. On va seulement pouvoir commencer à poser une win condition. On n'a pas récupéré notre boule de neige. Mais voilà, on a déjà le golem de glace qui est connecté à gauche. Le bûcheron également. Et de nouveau, voilà la victoire. La victoire qui passe. Incroyable ce mode de jeu, vraiment incroyable. Vraiment, dites-moi, hein, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce mode de jeu, de ce deck. Et qu'est-ce que vous jouez, vous? Et la prochaine vidéo que je vous fais sur ce mode de jeu, je vous montre une version qui, à l'inverse de Cersei, au lieu d'être très très agressif, est très tempo, justement pour contrer ce genre de deck. Donc je vais créer un deck qui contre ce genre de deck, et je vous le remontre après dans une autre vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors là, il a réussi les cochons royaux, je vais devoir def à la boule de feu, je vais sûrement redevoir à vendre avec une boule de neige en plus. Ça suffira ou pas? Non, je vais refaire ça et ça. Ah, ça suffira pas. Oh les cochons, yo, j'ai mis 7 d'Elex dessus. Mais non, sérieusement, ça a pas suffi, quoi. Incroyable. Incroyable, ces cochons, yo. C'est parti. Donc là, il a mis Kava, donc je vais devoir mettre Dragon Infernal et un gel. Ok. Je pense qu'il s'y attendait pas, du coup, ben, il a perdu. Voilà, voilà, du coup il se prend un touchdown. Donc il est sur un truc très très agressif aussi, il a claqué son bâtiment de l'autre côté à droite. Donc je pense qu'il y a peut-être plus de bâtiment et que je peux repartir très agressivement. On va voir ça, on va voir ça, écoutez. Donc là à gauche on va utiliser la mousquetaire, on va utiliser les battes, on va essayer de vraiment bien défendre, les gardes pardon, on va essayer de bien défendre ce cochon. On le body block, voilà, parfait. Donc là il a utilisé un sorcier là-bas, donc on est parti en push à droite. On va utiliser le fait qu'on a la rage, les battes également pour aller accompagner. La mousquetaire qui va évidemment faire un énorme travail ici à gauche. On peut remettre des wallbreakers, on peut remettre également une Ramider à gauche, ça va être très très dur à défendre pour lui tout ça. Ok, on va faire des faux squelettes. Et vous avez vu, et voilà le ballon qui reconnecte, je le dis, hein, très dur de défendre ce deck. Et extrêmement compliqué. Alors, on est parti, j'espère qu'on a les cochons royaux en main, non, on n'a pas les cochons royaux. On devrait y aller un peu plus tempo, lui il a les cochons royaux. Donc cette fois-ci, on va se refaire ça, ça, mais on va remettre Esprit de Glace, on a la boule de neige. Ah, ça suffit pas, hein. Très dur de défendre les cochons. Faut peut-être que je mette un bâtiment défensif dedans quand même, histoire de dire le moment où il envoie les cochons rayons, on a une défense, mais bon, tant pis. Hein. C'est pas grave. On va faire ça. Maintenant, on a la boule de neige et on a le gel. Donc, je vais utiliser, je pense, le gel défensivement sur sa cava. Et la boule de neige offensivement avec mon cochon. Là, il y a le petit cochon à droite, vous avez vu. Et voilà la victoire. De nouveau, la victoire. Alors, je pense qu'il vaut mieux mettre quand même un bâtiment défensif dedans. Je pense que boule de neige. Boule de neige freeze, c'est super important, mais en tout cas, les archétypes agressifs comme ça, ils sont d'une violence extrême. Extrêmement violent. Les dégâts sont ouf. Sont vraiment ouf. Je vais vous remontrer le deck hein, rapidement. Mais vous rendez compte, là, j'ai pas perdu. Hein. Je fais 7 matchs d'affilée et les matchs, ils durent une minute. Hein. Les matchs, ils sont extrêmement rapides avec ce deck. Donc, c'est le deck là. Donc, je pense que si je devais faire un petit ajustement, je retirerais. Enfin, en tout cas, je mettrais un bâtiment en plus, comme histoire de tempo quand il y a des cochons rayons en face. Donc, par exemple, ce que je peux vous proposer comme version alternative, ça va être de prendre un bâtiment qui va gérer les cochons rayons. Donc, soit la fournaise, parce que c'est très très fort aussi dans ce mode de jeu, soit également la tour à bombe. Alors allez où la tour à bombe, on va vous montrer la tour à bombe. Tour à bombe, ok. Et si vraiment vous deviez remplacer quelque chose, je garderai quand même le fût de squelette. Ça va peut-être plutôt être voilà, le golem de glace qui a un peu plus de mal à briller, qui est beaucoup plus long, qui permet pas vraiment de bien préparer les push. Donc par exemple, ça va être ça, on peut remplacer le golem de glace et mettre ça. Il n'y a pas forcément besoin voilà, d'avoir le golem de glace, vous avez les gardes, etc. C'est quand même bien d'avoir des petites cartes pour aller défendre, des petits squelettes, des petits trucs comme ça. Le fût de squelette également peut être remplacé, mais vous avez vu hein, la violence du truc, c'est hallucinant. Bon en tout cas, n'hésitez pas à aller tester une version similaire. Moi je viens d'en faire, vous avez vu, hein, X victoires d'affilée, 8-9 avec ce deck. 9 victoires d'affilée ce deck je crois en très très peu de temps, donc faut pas hésiter à balancer vraiment de la pression gauche droite milieu direct, gauche droite milieu, vous préparez votre boule de neige, préparez votre gel, quitte à pré-shot la boule de neige, c'est pas un souci, vous pouvez également pré-shot la boule de feu.
Voilà ce que j'en pense dès le début. Donc là, maintenant, la prochaine version que je vous montrerai, donc sur une autre vidéo, ça va être une version très contrôle, très défensive, pour justement essayer d'aller contrer ces decks-là, parce que c'est vous risquez de croiser ça en face, et faut pas hésiter à être plus agressif que votre adversaire. Vous envoyez cavale d'un côté, cochon royal de l'autre côté, c'est quasiment indéfendable, c'est très très dur de jouer contre. N'hésitez pas, voilà, à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé également la vidéo, c'était très important pour moi de sortir une vidéo rapidement qui vous explique bien ce mode de jeu. Perso, je trouve que le mode de jeu est peut-être... Enfin, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu... Du coup, il incite un peu à être très très agressif et ça peut être un peu frustrant ou compliqué. Bon, en tout cas, du coup, il faut jouer par les règles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous, surtout.